Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Peuple de Dieu, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est le véritable Dieu, il est le Tout-Puissant, il est notre Seigneur et Sauveur. Je bénis le nom de Jésus-Christ pour votre vie. Que le nom de Jésus soit glorifié. Alléluia. Prions. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, nous bénissons ton Saint-Nom pour l'œuvre que tu accomplis dans notre vie. Seigneur, cet après-midi, Seigneur, tu m'inspires de partager cette exhortation à ton peuple, de communiquer à ton peuple cette bonne nouvelle, puisqu'il est temps que nous puissions faire ton œuvre, nous puissions travailler, nous puissions entrer dans ta parole et grandir, de devenir des hommes faits. Seigneur Jésus, merci pour cette inspiration. Seigneur, je prie que le canal, oui, que tu veux utiliser, soit purifié, soit restauré, soit rempli de la présence du Saint-Esprit. Seigneur, afin que ce message soit communiqué à ton peuple. Seigneur, que tout esprit de distraction, tout esprit qui ne confesse pas ton Saint-Nom, soit chassé du milieu de nous. Seigneur, je prie pour tous ceux qui me suivent à l'écran. Seigneur, remplis-les de connaissances, fortifie-les, donne-les de l'espérance afin que leur vie chrétienne soit davantage solidement posée en toi, fondée en toi et enracinée en Christ. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Les paroles de Jésus-Christ qui étaient cachées pendant le temps où il était sur terre, aujourd'hui, ne sont plus cachés. Tout ce que Jésus a fait, les messages paraboliques qu'il avait cachés pendant le temps du salut sur la terre, aujourd'hui nous sont révélés par le Saint-Esprit. Donc aucune chose ne peut plus être cachée. Aucune révélation ne peut plus être mystère. Tous les mystères doivent être dévoilés. Christ n'est plus caché. Christ ne se cache plus, mais Christ s'est révélé une fois pour toutes et se révèle à tous ceux qui le cherchent. Depuis que Christ est monté à la droite de Dieu et qu'il a envoyé l'esprit de révélation sur toute chair, depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, rien n'est plus à cacher. Aucun message parabolique ne doit plus être mystérieux. Tout ce qui est parabolique, tout ce qui est ombre, tout ce qui est caché, tout ce qui est mystère doit être révélé. C'est pourquoi l'Écriture dit qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Un peuple sans frein. Un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Or, l'esprit que Christ nous a donné est l'esprit de révélation. Lisons le livre de Matthieu 22, le verset 9. Matthieu 22, le verset 9. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Le peuple qui ne comprend pas les Écritures ni la puissance de Dieu est ce peuple qui est dans l'erreur. Et les apôtres nous ont parlé de l'esprit d'erreur et de ses manifestations. Or, l'esprit que nous avons reçu, l'esprit qui dirige l'Église, l'esprit qui conduit l'Église à cette aide de la grâce n'est pas un esprit d'erreur, mais un esprit de vérité, un esprit de perfection. Alléluia. Jésus s'adressait à une foule qui ne comprenait pas les Écritures, mais qui tordait les Écritures. Une foule qui était dans des raisonnements d'homme et non des raisonnements ou bien des inspirations qui viennent de la pensée de Dieu. Et il va dire, vous êtes dans l'erreur
puis parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Alors, si il y a des gens qui sont dans l'erreur parce qu'ils ne comprennent pas les Écritures, ni la puissance de Dieu, moi, en tant que docteur du Seigneur, je ne me tairai point. Ma mission que Christ m'a assignée de la même manière que lui-même ouvrait l'esprit des disciples pour les enseigner les choses cachées dans les Écritures, pour qu'ils comprennent les Écritures. Christ va me remplir de sa grâce pour me permettre aussi, par son amour, de prendre les choses cachées dans les Écritures et de les révéler pour que nous puissions pratiquer sa parole et grandir dans notre relation avec lui. Luc 24, verset 45. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Ah, Christ va ouvrir l'esprit aux disciples pour qu'ils comprissent les Écritures. Oui, tu es en train de me suivre et tu t'es posé plusieurs questions. Seigneur, je n'ai pas la facilité de comprendre les Écritures. Seigneur, quand je prends un verset, je me dis ça paraît fou. Je ne comprends rien. Et chaque fois que tu prends la Bible est devenue comme un roman. Plusieurs qui me suivent reconnaissent cela, que la Bible est devenue comme un roman pour eux. Quand ils prennent la Bible, ils lisent, mais ils ne comprennent rien de ce que la Bible enseigne. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui motive la compréhension de la parole. La méditation est bonne, mais si nous méditons sans cet esprit, il est impossible de comprendre. Et la Bible dit dans le livre de Jean 8 que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc si tu n'as pas l'esprit de vérité, en fouillant les Écritures, tu seras comme les pharisiens qui cherchent à sonder les Écritures, croyant avoir la vie en elles. Or, la vie, c'est en Christ. La vie, c'est pas l'esprit de vérité que la vie est accordée. C'est pourquoi, dans Jean 4, Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Donc, sans l'esprit de vie et de vérité, nous ne pouvons pas comprendre les Écritures. Or, en réalité, l'esprit de vie est en réalité l'esprit de révélation. Parce que c'est la révélation qui accorde la vie. C'est pourquoi nous disons qu'un peuple sans révélation est un peuple mort. Un peuple dans les ténèbres. Un peuple confus. Un peuple qui ne connaît pas le son de la trompette. Le son de la voix de son Créateur. Alléluia. Gloire à Jésus. Il a ouvert l'esprit afin qu'il comprisse les Écritures. Alors, pour comprendre les Écritures, tu as besoin de l'esprit de révélation. Parce que les Écritures sont codées, cachées. Mais l'Esprit de Dieu nous a donné la capacité de comprendre tout ce qui est caché en ce temps de la grâce. Et aussi, tu dois avoir l'esprit de compréhension de la parole. Mais comment avoir cette caractéristique de l'esprit de la grâce? Comment voir l'esprit de vie, l'esprit de connaissance, l'esprit de révélation, l'esprit de compréhension des Écritures? Il faut que le Seigneur ouvre lui-même ton esprit pour que tu comprennes les Écritures de la même manière qu'il l'a fait aux disciples dans Luc 24, verset 45. Mais quand nous voyons dans Matthieu 22, verset 29, il va dire aux pharisiens qui étaient en son temps, vous ne comprenez pas les Écritures ni la puissance de Dieu. Parce que ceux-là n'ont pas été affranchis par la vérité, n'ont pas encore été affranchis parce qu'ils étaient parmi le peuple rebelle. Mais les disciples qui étaient auprès de lui, il a ouvert l'esprit pour qu'ils ne soient pas confus. Alors, le Seigneur dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom vous sera accordé. Alors, si tu veux comprendre les Écritures, demande à Dieu de te donner l'esprit de révélation. Demande au Seigneur de te donner l'esprit de vie. Demande au Seigneur de t'accorder l'esprit de compréhension des Écritures. Moi-même, je me posais assez de questions quand je prenais les Écritures.
Mais le Seigneur va me dire, dans mon intimité avec lui, demande l'esprit de compréhension des Écritures. Chaque fois que tu pries, quand tu prends la Bible, demande à l'esprit de compréhension de te révéler la parole. J'ai prié. Et lorsque je prends les Écritures, par la grâce que le Seigneur m'a donnée, des exercices ministères doctrinal, je comprends en même temps ce que le Seigneur veut dire concernant la ligne de son œuvre, des manifestations de sa puissance, de son œuvre envers les hommes. Il me révèle par là les Écritures, par là les choses cachées derrière les Écritures. Voilà, tu te poses la même question. Comment je peux parvenir à la révélation des Écritures? Comment je peux moi-même expliquer quelque chose caché? Et parfois, quand le Seigneur nous utilise, tu te dis, mais comment eux ils font? Comment lui il fait? Comment il fait pour révéler ces choses? Tout n'est pas la grâce. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire, c'est pas la grâce que j'ai eu connaissance de ce mystère, dont je viens de vous parler en quelques mots. Ce n'est pas la grâce que vous pouvez parvenir à cela. Gloire au Seigneur Jésus. Et ce n'est pas parce que, forcément que je suis docteur, que le Seigneur m'a donné cette grâce de révéler les Écritures. L'esprit de la grâce a été répandu sur toute l'Église, c'est-à-dire tous ceux qui croient en Jésus depuis le début du temps de la grâce jusqu'à nos jours. Et l'esprit de la grâce est un esprit de révélation qui révèle depuis des temps d'établissement de l'Église jusqu'à nos jours la révélation des Écritures, la pensée de Dieu qui est cachée, qui était mystérieuse. Donc, une sœur va dire, ah, comment vous faites pour révéler les Écritures de cette manière? Ou bien c'est parce que vous êtes docteur. Ah, vous êtes docteur, c'est pourquoi c'est facile pour vous. Il y a une grâce dans le ministère et l'onction que Dieu donne à chaque ministère. Mais à part cela, cela ne veut pas dire que c'est seulement les ministres qui doivent comprendre les Écritures. Parce que la Bible, c'est-à-dire qui contient la parole de Dieu, n'a pas été destinée simplement aux ministres, mais à toute l'Église. Et le Saint-Esprit qui révèle les pensées des Écritures, la pensée de Dieu derrière les Écritures, n'a pas été destinée seulement aux ministres d'autorité, au ministre de la parole, mais ça, cela a été, le Saint-Esprit a été donné à tous les saints, à toute l'Église. Donc ce n'est pas parce que je suis docteur que le Seigneur m'accorde ses inspirations, mais c'est par sa grâce et me donne par son canal, l'onction qu'il m'a donné, la capacité de les expliquer. Et ce n'est pas de la prétention, mais c'est la grâce de Dieu, comme l'apôtre Paul aussi le disait. Gloire à Jésus. Si vous entendez dans un enseignement et je dis, ah, ici je parle par révélation. Ah, je parle ici par connaissance. Selon la révélation, selon la connaissance, selon la prophétie, selon la doctrine, où je dis, je parle ici par prophétie. Je parle ici par doctrine. Par révélation, par connaissance. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Ne soyez pas surpris, puisque c'est les langages par lesquels nous enseignons la parole de Dieu. Ou bien les langages par lesquels Dieu lui-même a donné sa parole. Dieu lui-même va communiquer sa parole. Et c'est ce langage que nous devons utiliser pour comprendre les Écritures et aussi pour enseigner les Écritures. Lisons. 1 Corinthiens 14, verset 6. Et maintenant, frères, de quelle utilité serais-je? Vous serais-je si je venais à vous parlant en langue? Et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? L'apôtre Paul ici est venu vers les saints pour les parler. De quelle utilité venais-je à vous en parlant en langue? Nous savons que le parler en langue ordinaire faisant partie des dons spirituels
n'est pas interdit, n'est pas inutile, mais c'est important. Mais ici, la langue dont il parle, la parole de Dieu est même une langue. Maintenant, si moi je viens pour vous enseigner la parole, et je viens, j'utilise le langage, j'utilise la langue, la parole, simplement en vous parlant sans vous interpréter, sans vous expliquer comment vous pouvez comprendre ce que Dieu veut pour vous. Certes, la Bible a déjà révélé tout, mais tout est codé, caché, pour ceux qui n'ont pas encore la révélation, ceux qui n'ont pas encore l'interprétation par prophétie, par connaissance, ou par doctrine, ou par tous les langages. Donc, la parole de Dieu, quoique elle est lisible ou littérale, plusieurs prenant cela ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Ce n'est pas lire toute la Bible de Genèse à Apocalypse qui est la chose, non. Mais d'avoir la grâce de comprendre ce que nous lisons, même si c'est un seul verset, cela nous suffit pour vraiment comprendre ce que Dieu veut pour nous. Nous ne sommes pas des philosophes ni des théologiens, mais nous sommes des fils de Dieu ayant reçu l'Esprit de Christ pour comprendre ce qu'il nous enseigne. Alléluia. Il dit, de quelle utilité vous serez si je venais à vous parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine. Cela veut dire que la parole de Dieu est la langue. Mais si je viens à vous et je ne fais que lire les versets, citer la parole sans l'interpréter ou l'expliquer pour que vous puissiez comprendre, c'est comme si je suis en train de parler en langue. Or, je suis en train de parler ici la langue de la parole de Dieu sans que vous ne puissiez comprendre réellement. Or, pour exprimer une langue, on doit utiliser les langages. Je vous explique. En français, nous voyons que le français, c'est une langue. Le français est une langue. Mais il y a les langages qu'on utilise en français pour exprimer nos pensées lorsque nous parlons oralement. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. En français, nous avons le langage familier. Après le langage familier, nous avons le langage normal et nous avons le langage soutenu. Vous voyez, après le langage familier qui est ordinaire, qui est de rue ou en famille, ou bien le langage le plus bas, il y a le langage le plus simple ou un langage qui est utilisé dans nos écoles, dans les entreprises, qui est un langage normal. Et il y a aussi un autre langage qu'on appelle le langage soutenu, qu'on utilise dans les grandes institutions de l'État, etc., etc., ou qu'on utilise dans les grands romans, etc., etc. Ça, c'est le langage qui exprime la langue qui est le français. Mais quand nous venons dans la parole, dans la Bible, nous voyons la parole de Dieu comme la langue. Maintenant, la langue a des langages. Et c'est le langage, de la même manière que le français est la langue, ayant des langages qui expriment la pensée des hommes oralement. C'est de cette même manière que, bibliquement, nous voyons la parole de Dieu comme la langue principale, le canal principal communiquant les pensées de Dieu. Et nous voyons en même temps des langages qui nous permettent de comprendre, qui nous permettent d'exprimer des langages de communication par lesquels Dieu lui-même va exprimer sa parole. Donc quand Dieu parlait, quand on dit la parole de Dieu, ce n'est pas directement une parole orale d'abord, mais c'est d'abord la manifestation des langages qui permettent à ceux qui lisent la Bible de voir la parole de Dieu en action. Donc ce langage qui exprime la parole de Dieu dans la langue biblique est la révélation
la connaissance, la prophétie et la doctrine. Alléluia. Donc, nous disons que la parole de Dieu a une langue qui véhicule la pensée, la volonté de Dieu. Elle est différente de la langue des anges. Voilà. La langue des anges est une autre langue qui est basée sur l'un des dons spirituels. Alléluia. Mais aussi, la parole de Dieu étant une langue, doit aussi être est aussi une manifestation d'une capacité surnaturelle du Saint-Esprit qui communique la pensée de Dieu. Donc, le Seigneur va donner à ses enfants, à ses serviteurs, à nous, une capacité d'interpréter cette langue. Et cela fait partie aussi des dons d'interprétation des langues. Ce n'est pas forcément pour les langues des anges, mais aussi pour la langue même de Dieu, qui est la parole, qui doit être aussi interprétée. Gloire à Jésus. Donc la parole de Dieu est une langue qui véhicule la pensée et la volonté de Dieu. Elle est différente de la langue des anges, mais étant une langue facile à lire bibliquement, à écouter lorsque Dieu nous parle en esprit ou repéré au sens littéral. C'est une langue écrite qu'on peut écrire, une langue qu'on peut écouter et parler. Mais nous devons savoir que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ce qui veut dire que tout ce qui est écrit dans les Écritures, quand nous voulons mettre en pratique littéralement, nous n'allons pas faire la volonté de Dieu. Mais c'est quand nous allons mettre en pratique d'une manière spirituelle. Lorsque nous allons demander à l'esprit de vie de vivifier cette portion de l'écriture, c'est là que nous pouvons comprendre ce que Dieu nous enseigne. Gloire à Jésus. Donc c'est pourquoi il est impossible de sonder la volonté de Dieu dans sa parole si nous nous basons seulement sur la lettre. Beaucoup se basent sur la lettre et sont hors de la révélation. Or pour avoir la révélation, il faut avoir l'esprit de l'esprit de vivification qui vivifie la lettre et qui la rend spirituelle dans la compréhension de la parole. Donc la parole de Dieu véhicule donc la pensée de Dieu par des langages suivants. La révélation, la connaissance, la prophétie et la doctrine. Ces langages servent de moyens de communication de la langue. J'ai dit que la langue c'est la parole de Dieu. Donc, ces langages sont des facettes où des moyens de communication ou d'interprétation de la langue qui est la parole. Gloire à Jésus. Ces langages ne peuvent être... Ce qui veut dire que la parole de Dieu est composée de la révélation, de la connaissance, de la prophétie, de la doctrine. Et la parole de Dieu doit être expliquée par révélation, par connaissance, par prophétie, par doctrine, puisqu'elle a été communiquée par ces quatre langages, et il faut aussi qu'elle soit expliquée par ces quatre langages. Donc, lorsque nous voyons la parole de Dieu, nous voyons en même temps les quatre langages. Mais ce qui est la particularité est que ce qui est écrit bibliquement, malgré que ce soit la communication des quatre langages, est encore codé. Malgré que le Saint-Esprit utilise les apôtres pour les révéler, malgré que nous voyons littéralement, mais nous ne pouvons pas comprendre ce qui est révélé sans le Saint-Esprit. Donc si toi tu n'arrives pas à comprendre ce qui est révélé, ça devient pour toi un mystère. Or, bibliquement, beaucoup de choses ont été révélées, mais étant encore un mystère pour ceux qui n'ont pas encore reçu la révélation. Je continue. La parole est la langue. Donc pour expliquer la parole, pour comprendre la parole, nous devons utiliser le mot d'interprétation des langues. Donc tu dois aussi recevoir le don d'interprétation des langues. Pas seulement les langues des anges, mais aussi la langue de la parole. Gloire à Jésus. Donc interpréter un langage, c'est expliquer, étudier, sonder la pensée de Dieu véhiculée par ce dernier. Interpréter un langage, c'est parler par le langage. La langue, c'est la parole. Mais la parole a été communiquée par quatre langages. Maintenant, pour expliquer la parole, on doit expliquer la parole par ces quatre langages. C'est là qu'on parle de l'interprétation de la parole par l'explication des quatre langages qui est en réalité
l'interprétation des Écritures, la révélation des choses cachées derrière les Écritures par le moyen des langages de la parole qui sont disséqués pour que le peuple puisse comprendre la volonté de Dieu. Exemple, parler par prophétie, c'est étudier une prophétie déjà donnée. Donc, je commence par la révélation. Voilà, c'est mieux. Parce que quand on lit 1 Corinthiens 14, verset 6, et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? Donc, nous allons interpréter, nous allons plutôt expliquer comment la parole de Dieu est comprise, est aussi interprétée. Je commence alors par la révélation. Puisque la révélation, c'est le premier point. Interpréter un langage, comme je l'ai dit, c'est expliquer, étudier, sonder la pensée que Dieu véhicule par ce langage. Interpréter un langage biblique de la parole, c'est véhiculer, expliquer ce que Dieu veut dire en employant ce langage. Dieu donne une parole. Mais nous voyons que cette parole qu'il donne, ça c'est le langage de la connaissance. Pour interpréter cette parole, nous utilisons d'abord le langage de la connaissance avec les autres langages. Pour que tout le peuple soit vraiment dans la compréhension de ce que Dieu enseigne. Donc, interpréter un langage, c'est parler par le langage. On parle par le moyen du langage. Le langage est déjà là et a déjà révélé une partie de la parole, une portion de la parole. Donc, pour expliquer cette portion de l'écriture, nous devons parler en employant ce langage et en expliquant ce que Dieu veut dire réellement par ce langage que nous ne comprenons pas. Parler par révélation, c'est de sonder les choses cachées. Parce que Dieu est le Dieu qui cache des choses pour les révéler. De sonder les choses cachées dans le but de les découvrir, de les dévoiler par l'inspiration du Saint-Esprit. Les choses sont déjà cachées. Et quelque part, la Bible l'a révélé. Mais c'est encore caché parce que tu n'as pas encore l'explication. Et plusieurs n'ont pas encore l'explication. Alors, quoique cela était révélé quelque part dans la Bible, il faut que nous puissions parler par révélation en employant le langage de la révélation pour révéler ce que la Bible dit par rapport à cette révélation qui était cachée afin que toi et moi, toute l'église puisse comprendre ce que le Seigneur veut dire. Parler par révélation, c'est sonder les choses cachées dans le but de les découvrir par l'inspiration du Saint-Esprit ou se servir des révélations bibliques données par le Seigneur sur des sujets afin de dévoiler les mystères cachés derrière ces éléments. Parler par révélation, c'est aussi l'art spirituel de situer des choses anciennes qui étaient des ombres dans le temps présent. Parler par révélation n'est pas seulement expliquer quelque chose qui était caché pour qu'on puisse comprendre. Mais parler par révélation, c'est aussi là que le Saint-Esprit nous donne pour situer. Enseigner la Bible par révélation nous permet aussi de situer. C'est la manière dont nous situons une chose ancienne que Dieu avait fait, mais nous le situons dans le temps présent. Nous amenons les choses que Dieu a fait dans l'ombre pour que nous puissions voir leur manifestation réelle dans le temps présent depuis la dispensation des temps où il a commencé par se révéler en manifestant, en accomplissant les ombres, les choses qu'il avait cachées. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, parler par révélation, c'est l'art spirituel qui nous permet de situer les choses anciennes qui étaient cachées, qui étaient en réalité des ombres, mais nous les ramenons dans le temps présent.
Donc, parler par révélation, c'est de situer dans le temps présent les choses que Dieu avait faites dans le passé. Ou les choses qui existent dans le passé. Les choses qui existent dans le passé doivent avoir leur état, leur position d'une autre manière dans le présent. Et là, nous révélons ce qui est caché. Nous amenons à l'existence ce qui était caché, qui était antérieur. Nous situons cela par rapport à notre communion avec le Saint-Esprit, par rapport à la vie chrétienne, par rapport à ce que dit les Écritures dans la Nouvelle Alliance, par rapport à ce que dit les Écritures dans le temps de la grâce. C'est ça, parler par révélation. Gloire à Jésus. Donc, parler par révélation, c'est situer les choses anciennes qui étaient des ombres dans le temps présent. Ou les temps qui débutent du temps du salut au temps de la grâce dans lequel nous sommes. Alléluia. Donc, parler par révélation, c'est situer ces choses qui étaient des images, des ombres, mais dans la réalité. Nous devons dire la réalité des choses qui étaient ombres, qui étaient préfigurations, qui étaient cachées. Donc, le Christ se cache pour se révéler. Et la Bible nous dit, dans Deutéronome 29, alléluia, le Seigneur lui-même va nous dire, les choses cachées sont à Dieu, mais les choses révélées sont à nous. Donc, la Bible va dire encore dans Proverbe que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, mais la gloire des rois, c'est de les sonder. Et c'est nous, les rois, qui sondent les choses que Dieu a cachées. Dieu cache les choses dans sa gloire, mais pour que nous puissions voir sa gloire, il nous donne l'opportunité de le sonder par le Saint-Esprit. Donc, parler par révélation, c'est de dire, de révéler la réalité des choses qui existaient dans le passé. Parler par révélation, c'est d'interpréter les Écritures dans le but de sortir le sens spirituel de toute chose qui était physique, imagée, codée, symbolique, pour que nous puissions représenter cela dans le spirituel. Puisque tout ce qui était caché, qui devait être révélé, était en réalité imagé, était en réalité en profondeur. Donc il faut que nous puissions creuser en profondeur pour aller sortir ce qui est caché, pour que nous puissions voir à la lumière de la nouvelle alliance, à la lumière du Saint-Esprit, au temps de la grâce, ce que ces choses signifient. Ah, gloire à Jésus. C'est ça, parler par révélation. C'est-à-dire, dire la réalité des choses qui étaient réelles mais cachées dans l'invisible. C'est pourquoi on l'a dit souvent, ah, ces choses étaient l'ombre des choses à venir. Ces fêtes étaient l'ombre des choses à venir dont la réalité est en Christ. Ces choses étaient des préfigurations dont le corps est maintenant en Christ. L'ombre, c'est quoi? L'ombre, c'est les fêtes juives. Les sept fêtes de l'éternel juif. Mais la révélation, c'est Christ. Puisque Christ est l'accomplissement des fêtes juives. Donc, Christ est en réalité le corps. Est en réalité celui en qui toutes ces fêtes sont. Puisque c'est lui qui les a accomplies. Selon le modèle de l'ancienne alliance. Donc, voilà la révélation que je viens de vous montrer. Le tabernacle physique qui était pendant le désert que Dieu avait donné à Moïse à la montagne comme inspiration pour mettre en place était l'ombre des choses célestes sur la terre. La représentation physique des choses célestes sur la terre. Mais en réalité, ce tabernacle va être aussi une ombre des biens à venir dans le modèle des dispensations que Dieu a prévues dans les temps prophétiques pour les mettre en accomplissement. C'est-à-dire, quand nous voyons le tabernacle de Moïse, c'était une image physiquement représentée sur la terre comme sanctuaire terrestre en réalité qui représente d'une manière physique
les étapes de l'œuvre de Dieu dans les choses, dans les temps à venir. Or, quand nous parlons des biens à venir, nous voyons l'accomplissement du mystère de la rédemption. Nous voyons le moment où Dieu est en train de sceller, non, le déceller plutôt, le mystère de l'arbre de vie. Le moment où Dieu va nous donner les biens spirituels, les biens éternels spirituels, par l'accomplissement de l'œuvre de la croix, comme promesse pour nous garantir l'avenir. Donc, nous voyons que le tabernacle de Moïse est comme une ombre des choses célestes sur la terre, mais encore une ombre des biens à venir spirituellement. Ah. Donc, la réalité des choses cachées en notre temps doit être spirituelle. Et l'ombre de ces révélations doit être des images. On peut prendre, par exemple, on peut voir un animal, par exemple, dans l'ombre et le ramener, le situer dans le spirituel. Nous disons que c'est pas un serpent que le monde a été séduit. Le premier homme a été séduit et entré dans le péché. Pas Adam, pas Ève plutôt, qui a été séduit par le serpent. Et nous disons, selon la révélation, que le serpent qui va séduire Ève pour que Ève tente, entraîne son homme Adam dans le péché, ce serpent en réalité étant en train de séduire Ève est en réalité de lui mordre. Et en le mordant, est en train de semer en eux sa morsure ou bien sa semence. Et l'Écriture va nous dire, lorsque nous voyons le moment où Dieu devait confier une tâche à Moïse d'aller vers les enfants d'Égypte, il dit, prends ton bâton, mais prends ce bâton, jette-le par terre. Ce bâton va se transformer en serpent. Va vers les Égyptiens, démontre-leur ma puissance. Et quand Moïse est allé vers les Égyptiens, en démontrant la puissance de Dieu, en jetant le bâton pour qu'il devienne le serpent, en même temps, les Égyptiens vont encore jeter leur bâton pour devenir des serpents. Et le serpent de Moïse va engloutir les autres serpents des Égyptiens. Alléluia. Ça, c'est une ombre de l'œuvre qui va engloutir le premier serpent ancien qui avait mis l'homme dans la séduction, l'homme dans le péché, l'homme étant séparé de Dieu. Donc, cette histoire de Moïse et les Égyptiens, c'est-à-dire des deux serpents, le serpent de Dieu, le serpent des Égyptiens, était une ombre qui va matérialiser la victoire de Christ sur le premier serpent ancien. Est-ce que vous voyez? Donc, ce serpent, ayant traîné l'homme dans le péché, l'a mis sa semence, et l'homme est devenu malade de la semence du serpent étant le péché. Alors, comme l'humanité a été mordue par un serpent, l'Écriture dit que je mettrai inimitié entre la femme et le serpent et la postérité et la femme. Voilà. Je mettrai inimitié entre le serpent et la femme. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui morderas le talon. Donc, nous voyons par là que la postérité de la femme va écraser la tête du serpent. Donc le serpent qui a conduit l'humanité à la séduction, au péché, sera vaincu. Mais comment? C'est l'image du serpent, du bâton de Moïse qui va engloutir les autres serpents. Et nous allons voir quelque chose qui va nous impacter. Lorsque Moïse et les enfants d'Israël étaient dans le désert, les enfants d'Israël souffraient des maux, des problèmes, des maladies. Dieu m'a dit, Moïse, fais un serpent des reins. Élève le serpent. Tous ceux qui tourneront leur regard vers ce serpent des reins, en réalité, auront la guérison et seront restaurés. Ça avait marché. Alléluia. Mais, nous disons par là que le serpent des reins élevé était en réalité une image marquant un
nouveau type de serpent qui sera élevé, dont la semence apportera la guérison à ceux qui avaient été mordus par le premier serpent ancien. Ah, dis gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc, l'Écriture dit, de la même manière que le serpent avait été élevé dans le désert par Moïse, c'est de cette même manière que le Fils de l'homme sera élevé comme le serpent des reins, afin que tous tournent leur regard vers lui. Or, dans le désert, le serpent des reins était une marque de la restauration, de la guérison d'Israël. Donc, Christ étant élevé à nouveau à la croix, et ce serpent des reins qui apportera la guérison, selon la révélation, à tous ceux qui avaient reçu la semence du serpent ancien, qui avaient reçu la semence de la morsure du serpent ancien. Et comme c'est pas la postérité de la femme que Dieu va écraser la tête du serpent, or, Jésus-Christ est né de la femme selon la chair, non pas accouplement biologique, mais par incorporation de l'esprit dans un corps humain pour engendrer Dieu en chair, étant fils de Dieu. Il va être élevé à la croix comme un nouveau serpent. Puisque le premier serpent était un serpent des reins, et plutôt, était plutôt le serpent ancien, voilà. Le premier serpent était le serpent ancien qui avait conduit l'humanité à la séduction, avait semé sa semence aux premiers hommes pour qu'ils pêchent, désobéissent à Dieu. Et que, dans le désert, c'était une marque physique, parce que tous les Israélites étaient atteints de maladies, pour que le serpent derrière élevé les apporte la guérison. C'est de cette même manière que Christ sera comme le serpent derrière à nouveau élevé, qui va être le modèle devant qui tous ceux qui avaient reçu la semence du péché que le serpent ancien avait semé à Ève et Adam soient tous guéris. C'est-à-dire, c'est par Christ que Dieu apporte la guérison à tous ceux qui avaient été victimes de péché originel. C'est par l'œuvre de la croix, puisqu'il est comme le serpent des reins élevé à nouveau. Et c'est là que nous voyons l'accomplissement de l'ombre de l'histoire de Moïse jetant le serpent par terre qui engloutissait les serpents des Égyptiens s'accomplit à la croix. Car l'Écriture nous dit, de même qu'il a été élevé, c'est-à-dire le serpent a été élevé dans le désert, de même le Fils de l'homme sera élevé. Donc le Fils de l'homme, comme un serpent élevé, va faire quoi? Va engloutir à la croix les autres serpents qui représentaient les fils de la postérité, c'est-à-dire les fils étant la postérité du serpent. Or, la postérité du serpent est tous ceux qui descendent du serpent, qui avaient été chutés depuis le ciel et qui constituent l'armée du diable. Et c'est ceux-là qui sont en réalité les serpents, selon la révélation, les serpents des Égyptiens, que le serpent de Moïse va engloutir. Donc, pour que cette ombre soit réalisé dans la révélation, Christ à la croix étant lui-même le serpent terrain, comme métaphore, va engloutir les autres serpents de la postérité du serpent ancien. C'est ça l'Écriture dit, celle-ci t'écrasera la tête à la croix. Christ va écraser la tête, étant la postérité de la femme, va écraser la tête du serpent. Mais en réalité, la postérité du Christ étant sortie de la volonté de Dieu, celui à qui Dieu va donner le pouvoir, Dieu va donner le pouvoir de vaincre le serpent et les autres serpents. Donc Christ à la croix écrase la tête du serpent, mais le serpent lui mordra le talon, c'est-à-dire en le crucifiant à la croix. Ça c'est rien, puisque ce qui préoccupe le Seigneur, c'est la croix et la puissance de la croix. Donc, de la même manière qu'un serpent est la principale cause de la chute des hommes, et que Dieu va utiliser cette ombre d'Égypte, du serpent de Moïse et des Égyptiens, le serpent des reins élevé réellement
à nouveau à la croix, va engloutir tous les serpents des Égyptiens selon la révélation. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Colossiens 2,14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il les a dépouillés. Il a dépouillé les autorités, les principautés. Il a triomphé de par la croix. Donc, par l'œuvre de la croix, le serpent d'arrêt nouveau, à nouveau élevé, étant Jésus-Christ sur la révélation, va engloutir les autres serpents des Égyptiens qui sont les dominations, les autorités du diable, les principaux de protéines du diable, qui sont de la postérité du serpent ancien du diable. Alors, comme tous ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu, ayant bu la semence du serpent, lorsque le serpent les a mordus, tous ceux-là vont avoir la guérison. Donc, pour que le nouveau serpent est guérin élevé, qui accomplit ce qui était passé dans le désert, pour que l'œuvre s'accomplisse parfaitement, il va d'abord détruire la postérité des autres serpents à la croix en dépouillant leur autorité, leur puissance. Et après cela, va maintenant nous guérir, nous qui étions dans le péché à cause de la désobéissance du premier homme. Toute l'humanité qui était assujettie à la semence du premier serpent ancien, Christ ayant englouti le serpent à la croix, ayant englouti ses fils qui sont les dominations, les autorités, ayant englouti étant le serpent de Moïse, qui engloutit les autres serpents, en même temps le serpent derrière élevé dans le désert, va nous apporter, après les avoir engloutis, va nous apporter la guérison. C'est pourquoi la Bible dit, tous ceux qui ont regardé le serpent derrière dans le désert avaient reçu la guérison. En réalité, c'était une ombre des choses, des biens à venir, où Christ, en étant élevé à la croix, apporte la guérison à tous ceux qui étaient assujettis aux serpents anciens dans le péché de la semence. C'est pourquoi la Bible va nous dire, dans Ésaïe 53, par ses maîtrisus, nous sommes sauvés. Où il a reçu des maîtrisus, c'était à la croix lorsqu'il était élevé. Donc, ce qui apporte la guérison aux nations perverses qui étaient éloignées, mais qui croient en Jésus, est en réalité le serpent d'arrêt élevé, qui est Jésus-Christ élevé à la croix. Donc, il a d'abord englouti les autres serpents, comme le serpent de Moïse les avait engloutis, et va faire quoi? Va maintenant nous guérir par le sang de Jésus, qui est la semence de Jésus-Christ, étant le nouveau serpent élevé, étant le serpent d'arrêt selon la révélation. Donc, Christ va faire deux choses à la croix. Christ va engloutir d'abord les démons, les principautés du diable, le diable et son armée, de la même manière que le serpent de Moïse avait englouti les autres serpents des Égyptiens. Et après cela, de la même manière que le serpent des reins avait été élevé dans le désert, Christ aussi va être élevé pour nous apporter la guérison, comme cela a été fait dans le désert. Ça, c'est une révélation. Et l'écriture dit, Christ n'a pas non seulement lui seul vaincu le serpent et la postérité du diable, mais il dit, tant que vous insultez, l'ennemi est en guerre contre vous. Alors, dans Luc 18, 10, le verset 18 à 19, je vois Satan tomber du ciel comme l'éclair. Je vous ai donné l'autorité, le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents. Et sur la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ce qui veut dire que Christ étant le premier serpent d'arrêt élevé selon la révélation, a englouti le serpent ancien et ses fils étant le serpent de Moïse, il va me donner, te donner nous aussi l'autorité, le même pouvoir, étant aussi des serpents élevés selon la révélation, pour pouvoir engloutir les autres serpents étant de la postérité du diable, les démons, pour pouvoir les vaincre, pour vaincre les agents du diable. Il m'a donné l'autorité, le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents, la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra me nuire. Gloire à Jésus. Donc, de la même manière que les autres sont des serpents, des scorpions,
Christ fait de moi aussi un serpent selon la révélation pour engloutir les autres serpents, pour les écraser. Puisque c'est lui-même, ce que lui-même a fait, c'est comme ça lui-même a fait à la croix. Alors il m'a apporté la guérison à la croix pour accomplir l'ombre qui était dans le désert du serpent physique des reins. Donc Christ est ce nouveau serpent des reins selon la révélation qui apporte la guérison à tous ceux qui avaient bu la semence du premier serpent qui est le diable. Donc la semence de Christ étant le nouveau serpent et lié à la croix est le sang de Jésus. Alléluia. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Ça, c'est la révélation. Il y a plusieurs révélations. Ça, c'est un exemple pour vous faire comprendre comment nous parlons par révélation. Donc, on prend les choses physiques. On peut prendre des animaux pour refléter dans la réalité. Ce que ça représente dans la réalité. On peut prendre des objets pour pouvoir refléter leur existence dans la révélation, dans le temps où nous sommes, depuis le temps du salut au temps de la grâce. Alléluia. Gloire à Jésus. Ça, c'est parler par révélation. Parler par révélation est aussi élucider au sens réel ce qui représente exactement ou spirituellement en notre temps. Depuis le temps du salut, au temps de la grâce, dans la réalité, des choses qui étaient physiques, imagées et qui étaient au sens figuré. Donc, on amène tout ce qui est au sens figuré dans le spirituel. Donc, c'est dans la révélation que vous allez me voir souvent utiliser les styles de phrases comme la personnification, comme l'allégorie, comme la métaphore, comme la chosification, comme plusieurs autres style de phrase. Et c'est aussi dans la révélation que vous allez me voir utiliser le symbolisme, vous allez me voir utiliser le parallélisme, vous allez me voir utiliser toutes les choses qui concernent les ombres, la réalité, qui composent les styles de phrase pour pouvoir expliquer les choses anciennes et les situer dans la réalité. Ça, c'est la révélation. Et je vous ai donné un exemple. Parlez pas révélation. Maintenant, il y a aussi connaissance. Parlez pas connaissance, c'est quoi? Parlez pas connaissance. Parlez pas connaissance, c'est interpréter la langue étant la parole, d'interpréter la parole ou un sujet précis dans son sens contextuel. Parlez pas connaissance, d'abord, c'est d'interpréter la parole dans son sens contextuel. Quand on dit contextuel, c'est le contexte littéral de dire ce qui existe. Ce que la Bible dit littéralement. Ça, c'est le premier aspect visible des Écritures. D'abord, parlez par connaissance. Dis ce qui est littéral, ce qui est écrit et expliquez ça, détaillez cela pour appuyer ce qui est écrit d'abord. C'est ça, parler par connaissance. Parler par connaissance n'est pas encore révélation. Ce n'est pas révéler quelque chose. Dis ce qui a été écrit, le commenter. Utilisez même d'autres versets bibliques. Parcourir les Écritures pour dire voilà comment cela est détaillé selon les Écritures, littéralement. Ça, c'est aussi parler selon les codes, selon, c'est-à-dire les images, de dire ce qui est écrit littéralement pour que nous puissions comprendre la connaissance de Dieu qu'il donne sur ces sujets bibliquement. Parler par connaissance, c'est interpréter la parole ou un sujet précis dans son sens contextuel, historique. Parler par connaissance, c'est argumenter, voilà, c'est parler dans le sens contextuel, le contexte, respecter le contexte pour expliquer un enseignement. Utiliser le contexte historique, l'histoire. Lorsqu'on parle par connaissance, on explique comment les choses se sont passées, les événements se sont passés dans l'histoire, dans la Bible. Parler par connaissance, c'est argumenter son discours par le Saint-Esprit, par
des notions acquises par expérience dans le but d'élucider la thématique abordée. Ce n'est pas seulement la source du parler par connaissance, n'est pas seulement l'écriture littérale dans la Bible littérale. Non. Mais parler par connaissance est aussi quoi? D'expliquer, de dévoiler ses propres connaissances sur des expériences que Dieu nous a fait traverser qui sont conformes à ce que l'écriture dit par connaissance. Je peux donner mon témoignage sur ce que l'histoire de Joseph, peut-être, je peux donner mon témoignage, mes expériences pour parler par connaissance et confirmer une connaissance littérale des écritures. Ce n'est pas encore la révélation. Mais c'est ça fait partie des interprétations de la parole étant la langue. Donc, parler par connaissance est aussi argumenter son discours oral écrit par des notions acquises par expérience dans le but de confirmer les écritures littérales, d'élucider la thématique abordée pour que nous puissions comprendre le thème littéralement parlant et selon le sens étymologique ou l'origine de l'histoire. Parler par connaissance, c'est expliquer les écritures ou un thème à travers d'autres connaissances bibliques ou naturelles relatives au sujet biblique abordé. Ça, vous connaissez déjà ça, je ne vais pas. Beaucoup s'arrêtent à ce niveau. Mais beaucoup, la plupart expliquent la parole à ce niveau. Ils n'ont pas tort, mais ce n'est pas encore le niveau même de la révélation. Alléluia. NB, la connaissance est une source d'information par laquelle l'on peut fonder une doctrine. Mais toute connaissance n'est point une doctrine. Et toute connaissance ne peut fonder une doctrine. Les expériences, les témoignages peuvent nous augmenter la connaissance de la parole. Mais on ne fonde pas une doctrine par des expériences ni par des témoignages. Mais on confirme ce qui est écrit. Gloire à Jésus. Maintenant, troisième, prophétie. Parce que l'Écriture dit dans 1 Corinthiens 14, verset 6, l'Écriture parle de la prophétie. Parler par prophétie, c'est d'abord cette prophétie qu'on voit ici n'est pas le prophétique dans son sens réel. Ce n'est pas le don de prophétie qui régit tous les dons prophétiques étant des moyens par lesquels l'on parle de la part de Dieu. Non. Mais la prophétie d'ici est la prophétie étant une partie des dons spirituels qui annonce le futur, qui prédit le futur, qui annonce par Dieu dans sa providence des choses à venir. Ça, c'est le dessein de Dieu pour les dispensations futures à venir. C'est ça aussi la prophétie, c'est ça aussi le don de prophétie, mais étant une partie de la manifestation du prophétique et du Saint-Esprit. Et vous allez le voir dans 1 Corinthiens 12, parmi les dons spirituels, ce don fait partie, est le don de prophétie dont l'apôtre Paul parle, qui prédit les choses futures, les événements futurs, qui annonce le conseil de Dieu d'avance sur les choses qu'il va faire dans le futur et dans les dispositions à venir. Mais le prophétique et la prophétie, selon l'analogie de la foi, est la manifestation de ce don de prophétie, du don de prophétie qui regorge tous les dons. Est-ce que vous voyez? Donc il y a un prophétique étant le don de prophétie qui prend en compte la révélation, qui prend en compte plutôt la parole de connaissance, la parole de sagesse, le discernement, etc., etc. Et qui prend en compte le don de prophétie qui annonce les événements futurs. Mais ici, je ne parle pas du prophétique généralement ou de la manifestation du don de prophétie selon l'analogie de la foi qui prend en compte toute la pensée de Dieu révélée du passé, présent ou futur. Non. Mais je suis en train de parler d'une partie du prophétique qu'on appelle la prophétie qui annonce les choses à venir que Dieu veut faire. Alors, parler par prophétie ici consiste à faire quoi? À interpréter les projets divins, les choses que Dieu a préfigurées pour accomplir dans les temps à venir.
Donc tout ce que Dieu a prophétisé dans le passé, dans les autres disparitions passées, depuis l'éternité, les préfigurations de l'éternité, dans les prophéties de la création, au temps du salut, du temps du salut, au temps de la grâce, tout ce que Dieu a décidé faire jusqu'à nos jours, qu'il fera dans les temps prophétiques, dans le futur, dans les dispensations à venir, dans les temps, les circonstances à venir, est en réalité la prophétie que nous voulons expliquer. Mais parler par prophétie, c'est de les élucider, de pouvoir situer dans le temps, les temps, les circonstances, ce que Dieu fera. Si Dieu annonce une prophétie, nous sommes capables de d'examiner dans les Écritures comment Dieu va mettre en accomplissement cette prophétie. Nous sommes capables, selon les Écritures, à détailler ce que Dieu fera pendant l'accomplissement de cette prophétie. Comment Dieu va mettre en exergue ce qu'il a déjà annoncé dans les temps passés pour le mettre dans le futur. C'est ça, parler par prophétie. Parler par prophétie, c'est étudier une prophétie déjà donnée scripturairement ou verbalement dans la Bible, dans la pensée de Dieu, étant la parole de Dieu, dans le but de sonder les temps, les circonstances liées à son accomplissement au temps marqué. Alléluia. Donc, parler par prophétie nous permet de connaître comment Dieu va opérer selon la prophétie qu'il a annoncée pour le futur. Maintenant, en quel temps, dans quelle dispensation, en quelle période, après quel événement cette prophétie va s'accomplir et quelles sont les étapes de l'accomplissement de cette prophétie. Parce que quand je prends l'exemple de la bataille d'Armageddon, ça, quand j'explique cela, je suis en train de parler par prophétie. Parce que ce n'est pas encore passé, mais c'est pour le futur. Quand j'explique l'enlèvement de l'église, j'explique et je donne la chronologie. Lors d'intervention des changements spirituels, je suis en train de parler par prophétie. Mais quand je vais encore parler de la Nouvelle Jérusalem à venir, je suis en train de parler par prophétie. Quand je parle de la guerre d'Armageddon, je suis en train de la guerre de Gog et Magog, je suis en train de parler par prophétie. Quand je parle de la marque de la bête qui sera infligée dans la grande tribulation, je suis en train de parler par prophétie. Quand je vais parler du jugement dernier, je suis en train de parler par prophétie. Quand je vais parler de l'antichrist, du faux prophète qui va venir dans la grande tribulation, je suis en train de parler par prophétie. Quand je vais parler de la table des noces de l'agneau qui sera dans le troisième ciel lors de l'enlèvement de l'église, je suis en train de parler par prophétie. Quand je vais parler de la seconde venue du Christ, je suis en train de parler par prophétie. Quand je vais parler de la manière dont le diable sera enchaîné pour 1000 ans et que le faux prophète, l'antichrist, seront jetés dans le lac de feu, je suis en train de parler par prophétie. Ça, c'est parler par prophétie. Interpréter une prophétie selon le temps, les circonstances de son accomplissement. Donc, nous allons parler par prophétie assez dans notre série d'enseignements sur comprendre les Écritures. Maintenant, le dernier, doctrine. Car il dit, de quelle utilité serait-ce si je vous parlais par révélation, connaissance, prophétie et par doctrine. Nous avons déjà vu révélation, connaissance, prophétie. Maintenant, nous devons voir par doctrine. Gloire à Jésus. Par doctrine. D'abord, la doctrine, c'est quoi? La doctrine, c'est la base sur laquelle est régie les principes du Christ dans la Nouvelle Alliance et des choses que nous ne devons pas pratiquer. La doctrine est liée au salut parce qu'elle intervient pour nous apporter la parole de Dieu qui nous permet à comprendre des choses que nous devons faire pour être sauvés, des choses que nous ne devons pas faire pour être sauvés. Donc la doctrine est basée sur le salut. Et la doctrine est l'enseignement basé sur la parole de Christ, le fondement des apôtres, des prophètes et Jésus-Christ, la pierre angulaire, c'est ça la doctrine. Maintenant, parler par doctrine, c'est quoi? Parler par doctrine,
c'est interpréter, enseigner les éléments de la parole de Christ. C'est quand nous parlons du renoncement des œuvres mortes, quand nous parlons du jugement éternel, quand nous parlons de la repentance, quand nous parlons de la foi en Dieu, quand nous parlons de la doctrine des baptêmes, quand nous parlons du repas du Seigneur, quand nous parlons de la dîme des offrandes, quand nous parlons de la sanctification, de la nouvelle naissance, ça c'est la doctrine. Maintenant, quand nous expliquons, nous parlons de ces choses en détaillant, en creusant, en hauteur, en largeur, en longueur et en profondeur, de ces choses, c'est là nous parlons du parler par doctrine ou de l'interprétation de la doctrine. Donc quand je tombe, vous voyez dans mes enseignements, je dis, ici je parle pas de doctrine, ou bien je dis, selon la doctrine, là je suis en train de marquer, taper du sur la doctrine. Ce que nous devons faire, ce que nous ne devons pas faire. Ce que Christ a établi, ce que nous devons reconnaître pour être sauvés. Donc quand je dis, selon la prophétie, dans la prophétie, par prophétie, je suis en train de dire ce que Christ veut faire dans les temps futurs. Je suis en train d'expliquer ce que Dieu a prévu faire et qu'il n'a pas encore fait, mais qui est dans son projet. Et qu'il me révèle comment il a organisé la méthode de la manière dont il fera cela dans le futur. Gloire à Jésus. Donc, parler par doctrine, c'est enseigner, interpréter et expliquer les éléments de la parole de Christ, les fondements de la vie chrétienne mentionnés dans les Écritures. Ça, c'est poser le fondement. Quand on parle par doctrine, on pose le fondement. Alléluia. On ne parle pas de doctrine, on est en train de donner un enseignement sur ce que les préceptes, la lumière de la correction. Donc la doctrine apporte la correction. Mais la révélation apporte la lumière. La doctrine apporte la correction. La connaissance apporte la lampe. Et la révélation apporte la lumière, l'éclairage. Et la doctrine apporte la correction. Donc la combinaison de la révélation, de la prophétie. La prophétie aussi, c'est une lampe. La combinaison de la prophétie, de la révélation, de la connaissance de la doctrine donne la lumière des Écritures. C'est par là que nous pouvons comprendre les choses cachées derrière les Écritures. Donc, parler par doctrine, c'est aussi poser le fondement. Et quand nous lisons bien le livre de Hébreux 6, à partir du premier verset, nous comprenons ceci. C'est pourquoi, laissant, Hébreux 6, premier verset au verset 2, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau du fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Voilà les éléments de la doctrine. Nous devons tendre à ce qui est parfait. Nous ne devons pas toujours être sur le fondement, parce que c'est la doctrine qui est le fondement. Donc nous devons poser le fondement. Chaque église doit poser le fondement sur la doctrine. Et la doctrine doit être toujours pratiquée. Mais pour que nous puissions comprendre les Écritures, nous n'allons pas toujours rester sur le fondement de la doctrine pour dire que les gens comprennent déjà les Écritures, sont déjà sauvés. Mais nous devons tendre à ce qui est parfait. C'est pourquoi dans les enseignements, il est important d'utiliser les langages pour expliquer. Pour que celui qui cherche la révélation, lorsqu'il lit notre enseignement, il nous écoute, il a la révélation sur ce qu'il ne comprenait pas. Celui qui cherche à sauver et qui ne connaît pas comment il faut faire pour être sauvé, sur un point doctrinal, il a en même temps la correction. Celui qui cherche à comprendre les temps à venir, les dispensations à venir, comment Dieu veut œuvrer dans le futur, quand il lit notre enseignement et tombe sur l'interprétation par prophétie, il a la lumière en même temps sur ce que Dieu veut faire, les temps et les circonstances. Maintenant, quand quelqu'un cherche à connaître davantage la Bible ou à connaître un sujet, une thématique donnée sur les détails
fournis par la Bible et par des expériences non contraires à la parole, nous devons parler par connaissance pour que cette personne comprenne ce que l'Écriture dit littéralement dans le contexte historique de la parole. Gloire à Jésus. Donc, la doctrine permet de poser le fondement. Et pourtant, à ce qui est parfait, nous parlons de la révélation, de la prophétie. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, la doctrine, c'est basé, parler pas doctrine ou interpréter la doctrine, c'est basé l'analyse de la parole sur les principes de la vie en Christ. La dispensation de la grâce, les normes qui régissent la nouvelle alliance, parler du sacerdoce royal fondé par Christ, parler par doctrine consiste à expliquer les exigences de la relation de l'Église avec le Saint-Esprit dans la grâce, détailler les devoirs de chaque chrétien selon la parole de Dieu. Parler par doctrine est aussi identifier dans les Écritures les interdits et les pratiques qui ne sont pas conformes aux normes du sacerdoce royal de Christ dans la nouvelle alliance. Donc, parler par doctrine, c'est de dire ce que Dieu veut pour nous, ce que Dieu ne veut pas. C'est de dire ce que Dieu veut que nous fassions pour être sauvés et ce qu'il ne veut pas que nous fassions pour que nous ne puissions pas nous perdre. C'est ça, là, parler par doctrine. Donc, voilà, peuple de Dieu, je bénis le Seigneur Jésus pour votre vie. Il ouvrit leurs yeux pour qu'ils comprennent les Écritures. Alors, je prie que l'Esprit de Dieu t'accorde la révélation des Écritures. Toi qui ne comprenais pas les Écritures, toi qui ne comprenais pas comment Dieu opère, il t'accorde la révélation. Reçois l'Esprit de vie. La lecture, mais l'Esprit vivifie. Reçois l'Esprit qui vivifie. Reçois l'Esprit de lumière. Reçois l'Esprit de révélation. Quand tu prends la Bible, Dieu te montre en même temps ce qu'il veut que tu comprennes. Ce qu'il a fait dans le passé, que tu comprennes dans la révélation. Ce qu'il a écrit littéralement dans la Bible concernant l'origine de l'histoire de toutes choses pour que tu augmentes ta connaissance. Ce qu'il veut faire dans les événements futurs à venir, dans les temps futurs et prophétiques, il faut qu'il te le révèle aussi quand tu prends la Bible, dans les temps, les circonstances, et qu'il aussi te permet de comprendre ce qu'il veut que tu fasses et ce qu'il veut que tu ne fasses pas selon la doctrine. Reçois l'esprit de révélation de la parole. Reçois l'esprit de la splendeur de l'évangile de Christ et que Christ t'amène dans les eaux profondes. Le Seigneur m'a dit, oh Seigneur, tu m'as dit, va aux eaux profondes pour entrer dans l'inspiration. Dans la profondeur, je veux te voir en train de creuser. Seigneur, je prie que ce peuple qui me suit entre en profondeur, creuse, creuse, creuse pour grandir, pour sortir la révélation. Seigneur, montre-nous en hauteur pour connaître les choses que tu as prévues dans le futur. Envoie-nous en longueur, en largeur pour comprendre les bases sur lesquelles sont fondées ta connaissance et ta doctrine. Seigneur, agis puissamment pour que nous puissions être des hommes faits, parvenant à la connaissance du Fils de Dieu. Et que ce peuple qui me suit aille aux eaux profondes pour avoir la lumière, la correction, la vérité, la vie, l'affranchissement, la délivrance et le salut éternel. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Jésus, Jésus. Donc que le Seigneur Jésus vous bénisse, peuple de Dieu. C'était votre bien-aimé, le docteur Silas. Shalom.